السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم التلاميذ الأعزاء في هذا الفيديو استعدادا للامتحانات الموحدة على صعيد المؤسسة يعني مازال غادي نزيدو نكتفو تمارين خصوصا في هذه الأيام المتبقية إذا حاولوا تضبطو معايا مزيان هذا ليكزارسيس إذا تقريبا هذه الكيستيون تيتحطو في الغالب كنلقاهم في مجموعة من التمارين السابقة والموحدات السابقة x est la mesure d'un angle aigu, tel que cosinus x est égal à racine de 3 sur 2, calculer sinus x et tangente x. Deuxième question, x est la mesure d'un angle aigu. Montrez que 1 plus tangente x au carré sur tangente x au carré est égal à 1 sur sinus x au carré. Donc pour calculer sinus x, on a cosinus x est égal à racine de 3 sur 2. Alors, pour calculer X au, euh, sinus x, on sait que normalement euh, sinus x au carré plus cosinus x au carré est égal à 1. cette la relation, c'est qu'on doit Donc moi si je calcule sinus x, ça fait sinus x est égal à 1 moins cosinus x au carré. Parce que l'équation. Alors sinus x. Au carré est égal à 1 moins cosinus x au carré. Alors, sinus x au carré est égal à 1 moins. Normalement, données. donné a tenu le donné. A cosinus x est égal à racine de 3 sur 2. Ça veut dire remplacer blas cosinus x, ça dine remplacer racine de 3 sur 2. Le tout au carré. Le tout au carré. Alors, sinus x. Sinus x au carré est égal à 1 moins, donc racine de 3 sur 2 le taux au carré, c'est racine de 3 au carré, racine de 3 au carré sur 2 au carré, Égal 1 moins racine de 3 au carré, c'est 3, sur 2 au carré, c'est 4. Alors sinus x au carré est égal... Donc 1 moins 3 racines de 4. Euh, pardon, 3 sur 4. Alors pour calculer les deux nombres, on réduit euh, les deux fractions au même dénominateur. Normalement, on remplace 4 sur 4 par le nombre 1. Alors, 1 c'est 4 sur 4. 4 sur 4 moins 3 sur 4. 4 sur 4 moins 3 sur 4 est égal. Le tout divisé par 4, le même dénominateur. Et en addition, les numérateurs. 4 moins 3, 4 moins 3 est égal à tout simplement 1 sur 4. 1 sur 4. Alors, sinus X est égal donc un dit au carré, on O carré, on un, 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 racine carré, deuxième membre. Racine de 1 sur 4 est égal à racine de 1 sur racine de 4. Racine de 1 est égale à 1 et racine de 4 est égale à 2. Alors sinus x est égal à 1 sur 2. Bien. Alors tangente. Donc calculer tangente x. Tangente x, on sait que tangente x est égale à sinus de x sur cosinus x. On va remplacer sinus x. Le résultat est 1 sur 2. On va remplacer cosinus x les données, les racine de 3 sur 2. Ça fait, on va la charge Alors, tangente x égale 1 sur 2, divisé par cosinus x, il y a racine de 3, sur 2, est égal 1 sur 2, fois l'inverse du de deuxième, de deuxième nombre. Donc, enfin, je peux transformer, diviser le produit. Quand on l'inverse, quand on trouve il classique, elle Alors, il y a 2 sur racine de 3. On va demain. Si on a le produit, on simplifie. Il y a 1 sur racine de 3. égal à 1 sur racine de 3. De Bien. D'abord, on a une deuxième question. Montrez que 1 plus tangente x au carré sur tangente x au carré est égal à 1 sur sinus x au carré. Je trouve que un deuxième membre. Donc, l'égalité, on dirait le sinus x au carré. Donc tangente, maquine, c'est une tangente. Donc à je on remplacer tangente. On a remplacé tangente sinus sur cosinus. Bien. Alors, 1 plus, on a remplacer tangente x sinus x sur cosinus x. On dit le tout au carré, normalement, tangente au carré. Alors, le tout au carré, sinus au carré sur cosinus au carré. Divisé par donc, tangente x au carré, cest à -ce sinus x au carré sur cosinus x. Alors, égal 1 plus sinus x au carré sur cosinus x, x, euh, x au carré. Alors, euh, euh, on, on réduit les, les deux fractions au même dé dénominateur. Alors, on remplace 1 par cosinus x au carré sur cosinus x au carré. Donc quand je ce que dans le dénominateur, je vois ce dans le dénominateur cosinus x au carré. Et donc on a un ا cosinus x au carré sur cosinus x au carré, لأن le, le, le division de loin يعطيني يعطيني 1, ça va Donc 1. Alors, on va dire remplacer 1 cosinus x au carré sur cosinus x au carré plus sinus x au carré sur cosinus x au carré. D'accord Divisé par sinus x au carré sur cosinus x au carré. D'abord, nous avons même dénominateur. Alors, on va dire que c'est égal. Donc, des deux fractions. la somme de deux fractions ont le même dénominateur. On conserve le même dénominateur cosinus x au carré. Et en addition les numérateurs. donc cosinus x au carré plus sinus x au carré est égal à 1. Donc, là, tu connais des 1. Vous savez, donc cosinus x au carré plus sinus x au carré est égal à 1 sur même dénominateur cosinus x, divisé par sinus x au carré sur cosinus x au carré, égal 1 sur cosinus x au carré fois l'inverse. Deuxième nombre fois l'inverse. Donc l'inverse de sinus x au carré sur cosinus x au carré. Il y a cosinus x au carré sur sinus x au carré. Un simplifie Donc un simplifie Cosinus x au carré. Mal cos, x, cosinus x au carré. Le reste, c'est 1 sur sinus x au carré. Est égal à tout simplement 1 sur sinus x au carré. Ou t'es 1 plus tangente x au carré sur tangente x au carré est égal à tout simplement 1 sur 6 sin x au carré. Et donc, je vous souhaite le taufé et le neige. Et dans les vidéos précédentes, inshallah, je de souhaite la vidéo pour que ait un le fait de vous aider. Et avec le taufé, ma salam.